Adonai. Je suis Ashtar. Sheran. Je suis commandant en chef des légions intergalactiques de lumière. Afin d'ancrer ce message, il est nécessaire, important, de rappeler que vous êtes arrivé, que tout est déjà là. La communauté des Melchisedec et des alliances et de l'alliance des mondes et de la fraternité vous observe, vous regarde et vous encourage à demeurer et à rester confiant en vous, en moi et en la vie. Bayad, mon régent en chef du vaisseau arc-en-ciel, qui est un de mes nombreux vaisseaux, doit vous dire ceci. Je suis Bayad. Bayad est mon nom de yogi et de maître ascensionné, bien que le mot maître n'ait que peu de signification dans ce message. Je suis un être tel que vous. Nous sommes tous des êtres. Il n'y a ni maître ascensionné, ni personnage en haillon. Nous sommes tous nés de la source et il n'y aura de lumière sans obscurité, comme il n'y a d'obscurité sans lumière. Je suis Bayad et je vous laisse en compagnie du maître Ashtar. Tout est dit. Je vous remercie d'accueillir ce message dans l'amour. Va accomplir ta mission. Ta flamme jumelle t'attend. Les énergies sont adéquates, sont requises. Et vous qui entendez ce message, ne prêtez pas attention à qui le délivre, mais écoutez plutôt ces paroles sages, aimantes, qui vous élèvent vers un niveau de conscience où vous allez tous demeurer pour bien des temps. Je parle avec des mots humains afin que nous nous comprenions. Bien évidemment, les fréquences sont émergentes et nouvelles pour beaucoup. Il est difficile de naviguer dans ces eaux tumultueuses et nous en comprenons toute la difficulté. Sachez, mes sœurs et mes frères, chers enfants de la terre, chère équipe au sol, que ce message est court et que l'être qui délivre ce message joue sur deux tableaux, car les missions les plus difficiles sont portées par les êtres les plus forts. Il n'est nul besoin de se sentir supérieur ou inférieur. La neutralité est de mise, mes chers. Vous allez découvrir un monde nouveau, stupéfiant, un monde de renouveau. D'ici à mai 2022, lors des élections, je crois, de votre pays, la France, tout va changer. Tout va basculer. Comme on dit, tout va switcher. Again, again,
and again. Et cela ne va pas sans dire que vous êtes invité à la fête. Je parle au nom de Melchizedek, des Melchizedek, Crystal Shaya. Je parle au nom de Adonai, le Christ, de Sananda, des maîtres ascensionnés, de Marie, des 12 étoiles de Marie, des baudriers d'Orion, des Végans, des Andromédiens, des Arcturiens, des Lyriens, des Alpha Centauriens et bien d'autres encore. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver comme jamais auparavant et toutes ces difficultés que vous encourez en ce moment, que vous traversez, seront comme si vous n'aviez vécu un petit rêve, un petit cauchemar, mais seul un cauchemar permet de se réveiller, pas un rêve. Il est nécessaire que le cauchemar soit assez fort, puis-je dire, afin que vous puissiez vous réveiller de cette illusion. Un rêve serait trop doux et vous resteriez endormi. Le cauchemar est nécessaire. Je reviens sur l'importance de l'ombre. Ne chassez pas l'ombre. Vous êtes artisan de lumière et vous êtes aussi artisan de l'ombre. Mon message est clair, pur et simple. L'être qui vous le délivre m'a demandé juste avant de guider le message afin qu'il soit le plus clair, le plus concis et le plus aimant et le plus doux possible. Il a bien fait. Car vous ne demandez pas assez souvent notre aide et vous débattez avec ce que vous pouvez faire. Demandez-nous notre aide et nous allons vous l'apporter. Ouvrez votre canal et laissez-nous agir en vous. Certes, l'ombre, les ténèbres sont discréditées, mal vues. Sachez bien que dans l'univers, le yin et le yang, c'est de l'ombre et de la lumière incorporées. Vous ne serez pas lumière si vous n'acceptez pas l'ombre. Votre pardon, il n'est nul besoin d'essayer de chasser votre ombre ou de travailler sur vous. Cela se fait à votre insu quand vous êtes ancré dans votre cœur. Respirez, mettez du calme dans votre vie, mais n'ayez pas peur, ayez confiance dans l'autre qui n'est pas ce que vous êtes. Et dans ce que vous vous reconnaissez comme tel. L'autre n'est qu'un autre toi-même. L'ombre est un autre domaine de l'existence que moi-même, commandant Ashtar, régent des légions de lumière dans l'univers et dans les univers, je parle. En tout état de cause, l'ombre est mon ami. Ne soyez pas choqué, heurté par ce message. Il est sincère, il est franc, il vient droit de mon cœur. Je pense que vous captez l'importance de ce message. Pour vous, cela peut paraître impensable. Sachez bien que nous ne sommes pas là pour vous flatter. Nous ne sommes pas là pour polir vos égos. Le créateur originel, la création, va faire sauter la matrice Terre et nous serons à l'œuvre ici sur Terre. Quand les énergies seront prêtes à faire l'union des deux pôles,
qui, en fin de compte, n'est qu'un pôle. Ne croyez pas qu'il y ait un camp et un autre. Il n'y a qu'un camp absolu, avec des énergies plus ou moins, mais dans une pile, s'il n'y a pas le plus et s'il n'y a pas le moins, la pile ne fonctionne pas. Je remercie l'être qui vous délivre ce message. C'est important et nécessaire et de clarifier, de dire que dans tout ce que vous avez entendu tout au long de ces années d'éveil que vous avez vécu, ne retenez que ce qui vous parle. Méditez et réfléchissez et pensez avec le cœur. On ne vous le répète jamais assez souvent. Cela devient rébarbatif et barbant. Et nous pouvons en rigoler. Car vous oubliez trop souvent l'humour, mes chers. L'humour. Cela n'est pas sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Veuillez lâcher prise et relaxez-vous. Tout va bien. L'être qui délivre ce message est béni par mes énergies. Et il vous les donne, il vous les transmet dans cette vidéo. À vous de les recevoir en bonne et due forme. Aucun mot dans ce qui a été prononcé n'est à écarter. En revanche, ne prenez ce qui vous parle. Vous êtes libre, sachez-le. Vous n'avez pas besoin de l'accord de l'un ou de l'autre pour savoir si vous pouvez ou ne pouvez pas faire ou agir. Vous êtes libre et vous êtes à l'avant-garde, à l'avant-poste. Donc, détendez-vous, relaxez-vous, vivez à fond. Et je laisse l'être qui délivre ce message à lui-même, à soi, afin de retourner au mien, dans mon vaisseau, de là où je vous protège, où je vous regarde, où je vous surveille, où je vous guide. Merci, merci, merci. Namaste, Namaskaram, Adonai, au très haut chakra.